Eh bien, salut tout le monde, c'est Matotti, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 6 de notre Let's Play sur Super Mario Galaxy. Alors, je tiens à m'excuser d'avance parce que ça fait pour moi quelques jours que je n'ai pas filmé, quasiment une semaine, enfin pas filmé sur ce jeu parce que entre cet épisode-ci et l'ancien, voilà, l'épisode 5 en fait, j'ai fait le let's play de Portal 2 en coop avec mon camarade, donc voilà. Donc là c'est ça, on reprend, donc voilà, je sais plus trop où on en était. Bah, c'est marrant parce que j'avais arrêté. Bah, je crois qu'on en était là quand j'avais arrêté le let's play à l'époque. Et donc voilà, bon ben bah, on reprend notre aventure tout simplement. Donc je finirai ce jeu hein, quand même. Une bonne fouée pour toutes. Alors je crois que ces ennemis-là, ils sont apparus. En premier, bah dans ce Mario-là. Je crois pas qu'ils... Ah non, si, peut-être dans Super Mario Bros. Ah merde. Ouais, sur lui, sur DS, là. Super Mario Bros. DS, là. Je pense qu'il était dessus. Et... Boum! Voilà. Bon, il nous faudrait une pièce. Alors, toujours un peu ce souci. Parce que je joue au Joy-Con, hein. Du coup, je suis sur Switch. Super Mario Galaxy 3D All-Star, c'est ça. Yes, je l'ai eu. C'est vrai que j'avais oublié de préciser le nom du jeu au début de l'épisode, mais bon, hein, c'est écrit dans le titre. Donc c'est pardonnable. Ok, là on va faire gaffe quand même. Il y a un chomp. Un chomp qui fait wouhou. Très bien. Est-ce que ça revient ça après? Je sais pas. Alors il y a un bout. C'est marrant, ça fait fortement penser au manoir de Luigi's Mansion. Est-ce que toi, tu crains la lumière éventuellement? Je pense que oui. Allez, viens. Non, il faut peut-être que je ne le regarde pas. Ouais, les bouts, ils agissent comme ça. Et là, je le regarde, et là, la lumière, elle va faire. Nickel. Donc, bon. La caméra fait un peu nimp. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Nada. Que dalle. Allez, il faut peut-être que je monte, j'en sais rien. Je veux d'abord regarder. Il y a un Toad ici. Les fantômes ont horreur de la lumière. Ouais, ça, je sais. Je sais, d'ailleurs ça me fait penser peut-être que je... Ah bah je sais. Oh mais attends, viens toi. Lui il a une clé. Allez hop, viens. Voilà. Une key. Qui ouvre la porte en haut à gauche. Du coup en haut à droite il y a quoi? Il y a ça. D'accord. Il y a un os d'or on dirait. Hop. Allez Mario. Oh d'accord. Bon. Pour rappel, tant qu'on a une cinquantaine d'étoiles à chaque fois, moi ça me va. Alors, bam! Oh, il y a ça, y a ça, y a ça, je le veux. Toi, choose... Oh là, j'ai reçu un message. Je pense que c'est ma copine. Quand je lui ai dit que j'allais faire une vidéo. Ok. Attendez, il y a elle là. Yep, voilà. Il y a lui. Ok. Attendez, je le veux ça. Ça c'est marrant, j'ai l'impression qu'on va dégommer ce truc là. Et boum! Attendez, on va le tuer lui. Ah là là, cet épisode risque d'être un petit peu plus tranquille que le dernier. Hein, généralement j'aime bien aller vite, là j'ai envie de prendre un peu mon temps. Alors, ok. Oh merde, oh, bah toi on va te tuer comme ça. Voilà. Et on va prendre ceci. Nickel. D'accord. Et alors ça me fait aller où? D'accord, pas du tout, mais vous avez vu au-dessus, il y avait un cratère comme si on pouvait y aller. Oh, attendez, je récupère ça. Je récupère ça aussi. Ça aussi. Nickel. Putain, il y a pas mal de choses là. Au secours. Ok, Luigi est là. Ok. T'inquiète, mon frérot. Je vous conseille, du coup, d'aller voir mon let's play sur Luigi's Mansion. Ah, c'est dur ça. C'est flippant en fait. On se dit merde, je vais tomber. Alors qu'en fait, non. Salut. Bon, je suis pas sûr qu'il se passe quelque chose si. Ah, une vie. Ouais, bon. Alors là, on va découvrir de mémoire. Voilà. Un nouvel. Faut appuyer sur Y pour que. Ouais, voilà. Un nouveau truc. Alors ça. Ah, on doit craindre la lumière à tous les coups. Hop là, on traverse comme ça. Et là, on peut aller voir notre ami. Luigi, alors, avant d'aller le voir,
On va traverser ici, je vais me faire avoir par la lumière volontairement, voilà. Ah, c'est comme ça qu'on faisait. Mais non, je pouvais aller le voir directement là, en fait. D'accord. Bon, j'ai pas compris. Bon, Luigi nous donne une étoile. Et en fait, Luigi, de temps en temps, on le verra dans le dans l'observatoire qui il nous donnera une étoile de mémoire de temps en temps. Donc bon, on a récupéré la première en quasi 10 minutes. Bon, voilà, on a pris notre temps. Est-ce que j'ai l'impression de faire des blancs à des moments? Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, j'ai peut-être légèrement perdu la main. Donc je m'en excuse. Oh là là. Donc, on va avoir une quarantaine d'étoiles, je crois. Du coup. Je suis heureuse de te voir de retour. Ouais. Ouais, il y a Luigi là-bas, d'accord. Bon. Très bien. Oui, vous sauvegardez, mais bien sûr, tant qu'à faire. Hein, j'ai rarement eu des problèmes pendant que je tournais, donc bon. Et au pire, les étoiles, on peut les refaire. Va falloir juste que je regarde le dernier épisode pour voir. Donc bon, on doit remonter là-haut. C'est terrible, cette histoire. Ah là là. Non! Bon, on va prendre la vie. Et hop là, nickel. J'ai réussi du premier coup, ça. Allez, Mario. Oui. Oh putain, t'es trop fort. Allez, la cuisine. La cuisine. Ça me fait penser, j'ai regardé une vidéo de Philippe Etchebest tout à l'heure là. Où il parlait de son plat qu'il préfère. Que lui, il aime manger, qu'il aime se faire lui. Et en fait, c'est un monsieur tout le monde, quoi, lui. Il mange des pâtes et des œufs avec du fromage. Voilà. En plus, voilà, bon bah. C'était bien chargé comme truc quand même, c'était bien lourd. Donc bon. Ah, attendez, je crois qu'avec le bout là, on va devoir faire une course de mémoire. Ah putain, ouais, je crois que c'est ça. Mais pourquoi ils nous font toujours aller sur ce vaisseau là? Je comprendrai jamais. Attendez, on va tuer tous ces ennemis. Oh, attendez, j'ai vu autre chose là. Je vois des choses déjà. Et boum! Et. Ah, mais purée! Bon, toi, je vais te tuer comme ça. Allez, viens. Viens, toi, là, bam! Nickel. Allez, toi, je vais te marave comme ça, là, tu vois. Nickel. Ok, bon. Hop, toi, je vais te tuer comme ça pour avoir la pièce. Nickel. Et j'ai vu, genre, ça. Ah ouais. Secret. Ça, c'est une étoile secrète. Ah oui, clairement. Ok, ça a bougé. Alors. Oh non! Oh non! Non, non! Waouh! Qu'est-ce que j'ai fait? Bon. Voilà. J'ai eu la clé cette fois-ci. Hop là, on y va. Ok, je me suis pris un coup, mais ça, c'est pas grave. Là, je saute. Toi, tu fais quoi, toi? Oh! Pourquoi il me fait aller en arrière? Ok. Là. D'accord. Ok, j'arrête. J'arrête, j'arrête. Nickel. Foutez-moi la paix, vous deux, là. Vous êtes pénibles. Ok. Hop. Je prends un peu de ça. Ok, j'arrête, 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 j'arrête. Ok, je vais pas. Je fais un peu le fou là. Nickel. Je sais pas si c'est bien ce que j'ai fait, mais. D'accord. D'accord. Ok. Nickel. Bon. Ça, c'est une pièce. Je dis pas non. Ok. Il y a une autre. J'ai vu une autre clé, ouais. Nickel. Qu'est-ce que tu ouvres? Je veux la vie. Ok, on peut aller là. Donc il y a une autre clé quelque part. Mais. Non, non, allez. Viens. Oh, l'étoile. Bon, c'était. Donc ça, c'est une étoile cachée. D'accord. Bon, elle était pas si cachée que ça finalement, c'était assez visible. Mais voilà. Faudra que je sois attentif la prochaine fois dans les prochains niveaux.
Parce que j'ai l'impression qu'on ne le dit pas forcément quand j'ai réussi à 100% un niveau. Mais bon, on verra. On verra, on verra. Parce que de toute façon, le 100%, je crois que je suis obligé de battre le boss final et ensuite, ça a l'air d'être un peu compliqué. Donc je pense que le boss final, je le ferai pas en vidéo et puis... Enfin bref, c'est un peu compliqué. Pour l'instant, je fais comme ça me vient, mais si jamais il faut que je batte le boss final obligatoirement avant, bon, je le ferai et je vous le filmerai plus tard. Mais bon. Donc là, ça on a vu. Ouais, il faut qu'on aille battre le bout là. Ok. Parce que de mémoire, c'est une course. Bon, on va éviter de traîner. Ah, quoique ça fait 10 minutes. On a fait 2 étoiles en 10 minutes. Honnêtement, ça va. Oh là! Attendez. Eh! Putain, il va me foncer dessus. Voilà. Oh, attendez, j'en ai là. Nickel. Bon, allez. On fonce. Nickel. Alors, toi là-bas. Toi ici. Nickel. Et ça, là. Bon. Oh, con. Eh ben oui, mais là. Nickel et nickel. Bon. Voilà, on a récupéré plein de trucs. Attendez. Y'a quoi en dessous? Oh, y'a ça. Y'a ça. Nickel. C'est là qu'il me dit, ouais, faut que t'aies un certain nombre de petites étoiles, là, de cristal. Je serais un peu embêté. Donc, salut. Ouais. Quand tu veux, ouais. Faut qu'on le batte à la course. Et on aura une étoile. Ok. 3, 2, 1. Nickel. Au con. Voilà. Nickel. Hop là. Toi, t'es bien. Toi, t'es bien aussi. Non, c'est lui que je voulais. Ah! On va se faire avoir, vous allez voir. Nickel. Hop là, on a eu lui. Yes. Faut pas forcément que je cherche à aller prendre le plus loin là. Alors, on va se faire avoir. Là, c'est foutu là. Nickel. Non, mais Mario! Mario, il me fait n'imp là. Ouais, super. Alors, on a perdu. Ouais, on a perdu, les gars. Bon. Il va falloir que je vous fasse une ellipse. Perdu. Bah ouais. Bon, je vous fais une ellipse jusqu'à ce qu'on y arrive. Ça va être super. Ouais, t'inquiète, t'inquiète. Perdu. Ça m'enlève une vie? Ah oui, sinon c'est pas drôle. Bon, allez, je vous fais une ellipse. On va y arriver. Hop là, re, j'ai fini. Oh là. C'était un peu long, hein. J'ai perdu 3 ou 4 fois, je crois, mais c'est pas grave. Parce qu'en fait, j'essayais d'aller un peu trop vite, je prenais les raccourcis. Bon, c'est moi qui me suis mis un peu de challenge après. Ça a pas l'air bien compliqué en vrai de vrai. Surtout si vous avez une meilleure maillette, ouais, bien sûr. Une meilleure manette que la mienne, parce que moi, elle est nulle. C'est une bas de gamme. Les Joy-Con, ça coûte très cher. Et vu que ceux que j'ai eu de la console, elles ont ce fameux problème là. Bien, voilà. Mais j'ai pas envie d'envoyer mes manettes et tout. J'en ai acheté pour 40 boules là. Bon, elles font l'affaire. Mais bon. Voilà. Nickel. On continue. C'est notre troisième étoile, je crois, dans cet épisode-ci. On a encore une. Après, on finira cette galaxie. Et enfin, on fera plus que dans mon précédent let's play que j'ai pas fini. Donc voilà, je suis assez content. Le débris spatio. Bon, on va voir. Et le chef des fantômes. Hein, on va peut-être battre un boss alors. On va battre un boss ou pas? Je sais pas. Ah, peut-être. Je sais pas. Ça m'a l'air. Je crois qu'on va battre un boss. Mais je suis pas sûr. On va bien voir. Allez, hop là. On arrive ici et pouf! On s'en va. Enfin, on s'en va. C'est un grand mot, hein.
Attendez, parce que du coup, je me suis rendu compte que ces trucs-là, on pouvait les casser. D'accord. Ça, je suis content, moi. Moi, ça m'arrange, ça. Ah ouais? Bam! Nickel. Est-ce que je peux casser des trucs, là? Non, apparemment pas. Ah, attendez. Je suis au courant d'un truc. Ça, on peut casser. Nickel. Je suis au courant d'un truc. C'est par rapport à ça, voilà. Et là, si je fais BOUM! Voilà, nickel. Ça, je m'en souvenais. Et là, on va faire BOUM! Voilà. Et là, faut qu'il revienne, là. Ouais, donc à mon avis, mesdames, messieurs, on va battre... What? Où est-ce que t'es? Bon, ok. Si tu le désires. Allez, viens. Viens, 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 viens. Ouais! Nickel. Ça, je m'en rappelais. Vous allez voir que celui qui a tout en bas... Non. Celui qui a tout en bas, il donnait un truc. Putain, je suis un peu dégoûté, là. J'aurais voulu ramasser le petit bloc, là. Je sais pas ce qu'il donne. Et boum! Voilà, putain, je suis trop fort. Et ça, ça fait quoi si je fais... Boum! Nickel. Bam! 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 Et boum! Oh! Ça, c'était pas nickel, ça? Nickel. Vous allez voir. Et... Boum! Tout niqué, moi. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Oula. Eh oh. Je me suis rattrapé comme un chef, là. Ok. Ok, on peut pas... Enfin, je vais pas tenter de récupérer la pièce. Ce serait ridicule de mourir aussi bêtement. Donc, il y a ça, là. Et il y a lui. Attendez. D'accord, bon, il veut pas. On va monter là-dessus. On va récupérer tout ça. Et je vais y aller. Comme ça. Ok, nickel. J'ai pu tout ramasser. J'étais à moitié concentré. Putain, il y a un vent dehors. Allez. Viens. Hop là. Et toi? Ok. Nickel. Bon. Ça m'a permis de récupérer des choses. Ok, alors attends. Déjà. Toi là. Voilà. On va ici. Ok, ok, ok. Il m'a l'air un peu dangereux celui-là. Ce que j'ai fait là. Allez, Mario. Bon, d'accord. Allez, on va regrimper là-haut. Oula. Ça m'avait l'air un peu chaud. Là, on va pas faire le fou, on va faire ça directement. Là, on va rester appuyé. Là, on va faire pareil. Vite, c'est le moment. Voilà, nickel. Mario, il part. Il part loin. Il fait sa vie. Boum. Déjà, il y a une vie, là. Ça n'a pas l'air trop compliqué, là. Bon, on va avancer comme ça. On va esquiver les bombes. Est-ce que ça va rebondir? Ah non, les bombes, elles restent... Ok. Ok, nickel. Les bombes, elles restaient en... Enfin bon, bref, je me comprends. Donc lui, il va donner des vies ou des trucs comme ça, mais... Honnêtement, je m'en contrefiche. Et là, on a le fameux boss. Bon. Ce boss-là, il ressemble un peu au deuxième boss ou troisième de Luigi's Mansion, je trouve. Il ressemble un peu. Ok, il y a ça. Alors, toi, tu viens. Alors, je sais pas ce qu'il vaut, lui, là. Ok, donne une pièce. Nickel. Toi, viens, vite. Ah, merde. Oh, no. Ok, bon. Il va me tège la pierre, là. Il va falloir que j'aille la récupérer. Viens. Allez, viens. Oui. Oh là. Non, j'ai eu peur. Nickel. Ok, on récupère les trucs, là. Attendez, on va prendre lui, là. Il est beaucoup plus... Oh, bah, d'accord. Allez, apparaît. Nickel. Vous allez voir. D'accord, bon, c'est super. Allez, viens. Viens, 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 viens. Viens D. Ok. D'accord, non mais viens, en fait. Nickel. Voilà, bon. C'était un peu... Je galère un peu avec ce boss à chaque fois pour l'atteindre, mais bon. Surtout qu'on va avoir une comète qui va nous dire de le battre en une fois. Enfin, avec une seule vie, quoi. Sans se faire toucher. Donc il est très faisable, hein.
Il faut juste prendre beaucoup son temps. Donc voilà. Bon, moi ça m'arrange, je peux récupérer des comètes. Donc là, il a des bras, vous voyez, il s'est acheté une paire de bras. Donc bon, il va falloir qu'on arrive. Attendez, on va esquiver. Ah, merde. Oh, bon, 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 avec l'autre, on l'a touché. Voilà, donc ce qu'il faut, c'est qu'on arrive à esquiver. Bon, ok, là. Vite. Oh là, nickel. Alors, on va rester par là. Ok, bon, on va pas rester par là. Maintenant, on va retourner un peu en arrière. Parce qu'il va nous jeter des blocs, normalement. Voilà. Et là, on va tourner toujours du même sens. C'est bien, il nous donne des vies de temps en temps. Ok. Non, le fantôme. Il est mort, le fantôme? Ah bah oui, il est mort. Vas-y, pourquoi tu me l'as éclaté, là? T'es méchant. Oh, merde. J'ai fait un peu l'abruti. Vous voyez? C'est le genre de truc à l'avenir. Yes. On l'a eu. C'est le genre de truc, après, qu'il va falloir qu'on évite si jamais la comète, elle apparaît. Bon, il se repousse sa paire de bras, là. Donc, 1, 2, 3, 4, yes, 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 et yes. Allez. Mais de où? Oh là là, putain, c'est chiant cette recharge qu'il a, Mario, quand... Enfin bon, bref. Voilà, il a une recharge quand on attaque et c'est chiant. On n'a pas le temps de se rattraper. Ça nous évite un certain skill. Et là, comme par hasard, ça touche l'autre. Oh oh. Là, je suis un peu niqué. Oh, sauf si je passe par là. Je suis un peu moins niqué, là. Bon. Là, il va me tâcher des cailloux, d'accord. Allez, jette-moi des cailloux. Et boum! Voilà. D'accord, l'autre, il a disparu. Au moins, on est au courant. Voilà. Et là, j'ai réussi. Est-ce que c'est tout? Ouais. J'espère. Bon. Bon, bon, bon. Sacré boss, quand même. Ok, il y a de ça là, il y a de ça là. Il n'y en a pas d'autres? Non? Bon, allez. Nickel. Ça fait combien de temps que je filme? Que 25 minutes? Ou 28, j'ai l'impression. Oh, je sais pas, on va continuer. Puisqu'en plus, il y a une ellipse qui doit durer 3-4 minutes. Donc bon. C'est parti. Ah bah, c'est notre 40e étoile. Nickel. Oui, on va sauvegarder. Nickel. Alors, qu'est-ce qu'on a un peu ici, là? Ah bah voilà, il y a la comète. Bah on va y aller, on va la faire avant de finir cette galaxie, je voulais juste voir, là. Ouais, bon. Allez, c'est parti, vous allez voir. On va voir si on va finir cette galaxie à 100%, du coup, on va voir s'il y a une autre étoile cachée ou pas. Je pense pas, quand même. Bon. Alors... le bris spatial, chef, fantôme, pas de seconde chance, ouais voilà, c'est ça, bon, je vais faire une première tentative comme ça avec vous en essayant de ne pas mourir du coup, voilà, une première tentative, c'est ça que je disais, et après on voit, sinon je vous fais une ellipse, si j'arrive pas à cette première tentative, je vous fais une ellipse jusqu'à ce que j'y arrive, donc... Voilà, on va devoir se retaper le boss, sauf que vous avez... Bah, vous l'avez déjà remarqué, j'ai qu'une seule vie. Donc, voilà, on va devoir courir, tac, tac, tac. 1, 2, 3, 4 et 5, nickel. Ok. Boum! Mais d'accord, voilà, c'est ça que je dis, qu'on n'a pas de chance. Donc bon, je vous fais une ellipse. Ouais, relégeant. Donc j'ai fini la première phase, donc je vous reprends. Et donc là, pareil, si la deuxième phase, j'y arrive pas du premier coup, bah, vous avez une ellipse jusqu'à ce que j'y arrive. Voilà, peut-être que... Voilà, j'ai réfléchi en me disant, ouais, je vais quand même leur montrer la phase, parce que sinon... sinon, ça fait quand même un peu feignant au niveau du gameplay. Donc, ok, on va faire ça, comme ça, on a beaucoup de distance par rapport au fantôme. Donc là, on va attendre qu'il lance son point, yes. Et là, ok, bon, on a niqué un bras, mais c'est pas grave. Tant qu'on a des fantômes... Moi, ça me va. Donc, tac, 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 tac. On va faire ça. Là, il va nous tèche son bras. Ok. Ok. Non! Bon, vous avez une ellipse. C'est dingue comme il est lent, Mario. Yes! Enfin, j'ai fini. En fait, une fois que je suis mort dans le test d'après, enfin, de celui que vous avez vu juste avant, quand j'ai essayé une première fois, et ben là, c'est juste la deuxième fois que je refais la deuxième phase, et voilà, j'ai réussi. Donc voilà, je récupère
des étoiles. Bon, ben ça va, en vrai c'était pas trop compliqué, j'ai dû m'y reprendre 5 ou 6 fois. Donc honnêtement, ça va, ça m'a coûté 5 ou 6 vies. Donc si vous en avez beaucoup comme moi, que vous faites le jeu en une fois, bon, ça devrait aller. Si vous commencez le jeu, je vous conseille de récupérer un peu des vies avant de le faire. Bon, 41 étoiles, c'est nice, c'est cool. Hop, je vais juste recentrer ma. Voilà. Et. Hop. Alors. Ouais. Vous voyez, ces deux galaxies, j'ai l'impression de les avoir faites à 100%, mais bon. Allez, c'est parti. On va sur celle-ci. Donc. Et une fois qu'on aura fait celui-là, bon, on regardera s'il y a des comètes qui arrivent ou quoi. Et sinon, ben, on arrêtera cet épisode. Voilà, ce sera déjà pas trop mal ce qu'on a fait aujourd'hui. On a fait un niveau complet, plus une comète, plus voilà, ce niveau-là. Bon, le dernier était chargé de mémoire en étoile, on en avait pas mal récupéré. Honnêtement, je ne sais pas du tout. J'ai aucun souvenir de ce niveau-là. J'en ai aucun. Donc on va bien voir. Salut. Une belle esquive. D'accord, on récupère des étoiles. Ouais, attaque-moi si tu veux. Hop, on récupère. On récupère rien. Hop, tac, tac, tac. Toi, nickel. Ok, j'ai su plus ou moins l'esquiver. Et boum! Yop là. Ok, il y a le canon. Ça veut dire qu'on va devoir aller quelque part, mais. D'accord. D'accord. Ok. Ah, mais ça, c'est parce qu'on veut faire le fifou. D'accord. Alors, ça, c'est quoi? Ouais, bon. D'accord, ok. Bon, on va pas. Ok. On va aller là-bas. Boum. Il y a un truc là-bas. Ah, attendez. Déjà. Ok. Toi. Et toi. Nickel. Ça en donne masse, là. Voilà. Déjà, ceci, ça fait quoi, là? Ça donne des. Ok. Ok. Pourquoi pas? Et ça là. Merde. D'accord, ça en donne encore. C'est nickel. Ah, mais c'est si on veut en acheter. D'accord. Monte-toi. Ok, attendez, on va le tuer ce truc là. Nickel. Voilà. Et ça fait quoi? Ah, d'accord. Bon, déjà, on a une vie là. D'accord. Je comprends. Non! Et boum! Ok. Bon, on va arrêter de faire le fifou. Nickel. On va se mettre là. D'accord, bon. Ça m'aura coûté deux coups quand même. Vous allez voir que ce truc-là, il va m'avoir là. Yes. D'accord, tout ça pour ne pas. Oh yes, mais attendez. Non, il y a les deux pièces. Je les veux. Bowser Junior, très bien. Tu veux vraiment. Bon, ok, oui, je veux la grande étoile, mais. Ok, attends 2 secondes. 2 secondes, frérot. Ok, comment qu'on fait? Faut que je te l'envoie dessus comme ça? Ok. Bon, ça c'est pas trop dérangeant, ça va. Ok. Ok, putain. What the fuck? Non! J'allais y arriver. Attendez. Ça part un peu loin là, cette affaire. Ok, toi, je vais t'avoir juste. Non, merde. Ah bon, on l'a eu. D'accord. Mais c'était pas bien compliqué. Ah, d'accord. Ok, je me disais aussi. Ok, mais calmez-vous, les gars. Vous êtes des malades là. Ok. Attendez, la Kamek là, je vais la buter parce que ça commence un peu à trop faire. On va récupérer la pièce. Ok. Jusque-là, tout va bien. Nickel. Bon, bah super, ça va. Franchement, celui qui a un peu de réflexe et qui arrive à timer le truc, ça va. C'était pas trop compliqué. J'étais quand même très concentré. Mais si j'arrivais à le faire pendant mon let's play sans trop bien que mal. Bon. Là où il y a quoi? Oh putain, il y avait une vie. Ouais, d'accord. J'aurais pu. Et là, j'ai l'impression qu'il y a autre chose. Attendez, on va pas récupérer la grande étoile d'abord. Enfin bon, vous m'avez compris. Il y a quoi là? Déjà, si je casse vos deux trucs là. Déjà, il y a un Goomba, d'accord. C'est vraiment. J'ai envie que tu meurs. Comment on fait? D'accord. Mais je veux quitter. D'accord. C'est très bizarre. Pour quitter la vue à la première personne.
Bon. Nickel. Tadadam. Bon. Eh ben, pour l'épisode 6, c'est bien, on a une grande étoile tous les deux épisodes à peu près. Je crois, du coup, hein, parce qu'on est l'épisode 6. Bon. Je sais pas en combien d'étoiles on va finir le jeu, mais... Enfin, en combien d'épisodes, pardon, on va finir le jeu, parce que il y a 120 étoiles en tout. Ah oui, oui. Ah ben là, du coup, ça alimente... celui-là. On va y aller. Je sais pas comment ça s'appelle, cet endroit. Normalement, on va... Voilà. 42, nickel. Galaxie complétée. Ah ! Galaxie complétée. Ouais. Ah ben là, on a tout découvert. Au moins, c'est nickel. Et là, sur le tableau, il me dit qu'il n'y a aucune comète. Ouais, il faut qu'on arrive là-haut. Ouais, ouais, t'inquiète. T'inquiète. Mais du coup, il n'y a aucune comète, là? Vas-y, il n'y a vraiment aucune comète, là. Sauvegarde en cours. Bon. Bon, mais puisqu'il en est ainsi, on va aller voir quand même notre camarade Luigi ou je sais pas qui là, au cas où. Hein? Est-ce que vous, là, vous avez un truc, Luigi? Si je te parle, tu me dis quoi? C'est grand enfer, super étoile. Ouais. D'accord, bon. Là-dedans, je sais qu'il y a une vie. Donc on va la récupérer, voilà. On a 70 vies. Je crois que j'ai récupéré le nombre de vies que j'avais au début de l'épisode, c'est super. On va aller là-bas. Alors attendez, on va prendre le petit raccourci. Hop là, voilà. Et regardez, donc si on est à l'autre bout, on peut très bien aller ici. Et on voit l'ensemble de l'observatoire, du coup. Ce qui est plus ou moins pratique. Donc on va rentrer. Voilà. Alors c'est quoi cet endroit? Position ennemi. Énergie. Ouais, non. On n'a pas le nom. Ça doit être le dortoir ou un truc du genre. J'ai envie d'éternuer. Waouh. Oh putain. Attendez, on va tout ouvrir. On va tout ouvrir. Nickel. Et nickel. Bon. Qu'est-ce qu'on a là? On a de sacrés niveaux. Putain, si je veux, je peux déjà finir cette galaxie, quoi. Non, 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 non. En aucun cas, c'est ce que je voulais. Je veux juste... Alors, attendez. Voilà, remettre la galaxie comme il faut. Donc on a quoi? On a ça. Oui, on a trois gros niveaux là, vous avez vu? Donc bon, nous on va quand même s'arrêter là, ça fera un épisode un peu plus petit, mais voilà. Donc à mon avis, dans le prochain épisode, j'ai envie d'être quand même dans la verdure, je préfère les mondes comme ça. Donc à mon avis, on va faire ça et ça dans le prochain épisode, et éventuellement un peu celui-ci, après on ira là. Enfin bon. Honnêtement, j'ai l'impression qu'on s'en sort bien. Alors attendez, ça fait 3, 6, 9, 10, 11, ça fait 11 étoiles, on en a 42, ça fera 53, si je vais là, on va faire une moyenne, oui, puisqu'il en reste 2. Si on fait, ça fait 64, si je calcule. Et 60... Ok, ouais, donc il nous manquera quand même quelques étoiles. Parce que je sais... Je vais essayer de me renseigner sur ces fameuses étoiles vertes, que je l'ai pas fait, et sur les étoiles cachées aussi. Parce que, regardez, si je retourne ici, peut-être que dans le prochain épisode, on s'occupera des étoiles cachées. Enfin bref, faut qu'à un moment donné, je m'en occupe, mais regardez. Tous les niveaux où on en a 3, ouais, genre ces deux-là, là, je suis quasiment sûr qu'il y ait une étoile cachée, là. Dans les deux niveaux, là. Dans chaque niveau, je pense qu'il y a une étoile cachée. Peut-être que je me trompe, hein. Mais voilà. Et pareil, il faudrait qu'on trouve absolument ces étoiles vertes pour qu'on puisse aller là-haut. Bon. Parce que là-haut, ça va nous mener à trois niveaux un petit peu particuliers qui sont un peu compliqués, faut l'admettre. Mais voilà. Donc là, dedans, en fait, on a l'histoire de Harmonie, je vous le dis. Si on y va, on a un peu... Elle nous raconte des histoires, et c'est son histoire à elle, en fait, donc c'est une autobiographie sur sa personne. C'est un peu bizarre de dire autobiographique, parce que c'est un jeu vidéo, et c'est des personnes qui ont créé. Mais voilà. Mais voilà, donc si, pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez y aller, nous on n'ira pas spécialement. Je vais vous montrer des endroits où il y a des vies, donc il y en a une là, il y en a une dans la fameuse caisse que je vous ai montrée. Des fois, le mec, il en donne 5, et... je sais qu'à chaque fois j'arrivais à faire le plein de vie parce qu'il y en a une en dessous de l'escalier là aussi.
Voilà, comme ça vous pouvez récolter pas mal de vie dès le début. Au cas où. Donc salut toi. Ouais, faudra qu'on débloque à nouveau parce que des ennemis comme ça. Enfin des ennemis, des Lumas comme ça qui vont nous demander des. Bah, des lumes, il y en aura beaucoup. Et je sais, genre lui. Je sais qu'il y en a un, il va nous en demander 1000, l'autre 1500 et l'autre 2000, je crois. Donc va falloir vraiment qu'on récupère des étoiles. Donc je risque de jouer en off, moi, pour en récupérer un, hein, je vous le dis, si jamais. Donc bon, mesdames, messieurs, que ça fait un petit moment que je tourne en rond, là, parce que j'ai pas envie d'entamer un niveau. Bah, on va juste lire quel est le nom du niveau, et dans le prochain épisode, on ira, je pense. C'est la chambre? Chambre, ouais, donc j'avais dit dortoir, mais voilà, c'est la chambre. Bon, bah, du coup, mesdames, messieurs, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à partager la vidéo et à vous abonner si vous trouvez ça nécessaire. Donc n'hésitez pas pour ça à aller faire un tour sur ma chaîne et à parler de moi autour de vous. Ça me ferait extrêmement plaisir tout ça. Enfin bref, le blabla que tous les youtubeurs font. Sur ce, moi je vous dis ciao et à la prochaine. Bye tout le monde. Ouais, super.